On a été coupé. Tchou, vous m'avez signalé, Seigneur. Mais signalez-moi là, c'est pourquoi? Hein? Est-ce que je peux savoir c'est pourquoi le signalement? On vous dit la vérité, vous signalez les gens. Hein? On vous dit la vérité. Et vous vous mettez à signaler les gens. Vous prenez plaisir à faire ça, quoi. Je n'ai pas encore fini de dire mon dernier mot. Du coup, je suis revenue, en fait. J'ai coupé pour revenir. Donc, reconnectez-vous vite fait. On va terminer. Pourquoi je ne vois pas les commentaires? Que quelqu'un me mette un commentaire, je vois. Je vois pas les cœurs, je vois pas les commentaires. C'est dur à quoi? Je vois pas les cœurs ni les commentaires. Chic chinoise. Quand tu commences, direct là, ça tombe, ça trame. Oui, je te dis, chérie. Mettez-moi les cœurs. Quand je commence direct là, ça trame. Quand je commence là, pourtant, je les ai laissés Facebook là. Hein. J'ai dit, ah, voilà. Reconnectez-vous. Partagez le direct. Bonsoir Aya, Zina Touré, bonsoir, comment tu vas? Demain il y a fait un direct en journée, mais venons, on va terminer ça. Mettez les cœurs, merci. Quand il commence là, ça trempe. Pourtant, il dit rien de mauvais. Il est changé. Oh. Bonsoir, la belle. Bonsoir. J'ai changé. Elle est devenue sage. Elle est devenue sage. La sagesse. Merci pour les cœurs. La sagesse m'habite en ce moment. Les cœurs, merci Carole Seca. Ça va ma puce. Coucou Aya. Coucou Mariam. Tu m'as bloqué. Ah bon, où ça? Si je t'ai bloqué, tu peux pas commenter. Je t'ai bloqué où? Si je t'ai bloqué, tu peux pas commenter, ma chérie. Doura Diallo. Tu fais trop rire. Ah bon, je fais trop. Tu es ma blogueuse. Ah d'accord, j'ai lu ça. Tu m'as bloqué. Tu es ma blogueuse, merci. Très belle Aya, merci. Partageons, on va avancer. Faut pas, on va rester dans belle belle là. Hein? Partageons le direct. Moi je dis, quand vous me dites que vous, moi tout ce que je vous demande là, c'est de mettre les cœurs et de partager. Celle-là, là, vous allez me prouver ma beauté. Mais sans les cœurs, sans partage. Quand vous dites que je suis belle, là, je ne comprends pas. I do not understand. Un admirateur a approuvé vos... Ah ouais? Approuvé quoi? L'admirateur, il a approuvé quoi? D'accord. Ok. Ok. Je n'ai même pas fini. J'ai vu mes frères et sœurs qui ont publié mon Facebook. Et donc, les Ivoiriens, vous.
Vous avez fini ça. Aïe! J'ai vu DJ Publicité de London, à qui j'ai. Enfin, j'ai demandé, parce que comme c'est une nouvelle page, de me faire une pub pour demander aux gens de s'abonner et tout ça. Je demande aussi à ma grande soeur Lolo. Après la paix, de me faire aussi une pub. Et j'ai vu les commentaires. J'ai vu les commentaires. Aya impoli, Aya mal élevé, Aya néné, on va s'abonner pourquoi? Ami Fofana, ça va? On va s'abonner pourquoi? Une fille qui est mal élevée comme ça, il y a quelle éducation à prendre là-bas? Il y a rien. Et c'est là, c'est une fille là. Elle est en train de penser, là, c'est une fille là. Ils ont fini ça là. Il y a mon Facebook où ils sont abonnés. Puis, c'est des gens qui étaient en train de m'insulter là. Ils ont capturé tout et dit, mais j'ai capturé, dit, voulez-vous en train de se défouler, puis en train de venir s'abonner, les mêmes personnes. Quand ils regardent, ils disent, mais ce sont eux. Parce que j'ai pris le temps, j'ai vu les commentaires. Voulez-vous en train de venir s'abonner, il dit, mais j'ai dit, mais je suis restée choquée. Il dit, mais attends, c'est pas ce que. Pourquoi? C'est-à-dire que. Faites des commentaires aussi dans de bons sens. Bon, à quoi sert de faire un commentaire et puis après venir t'abonner en fait? Bon, tu fais un commentaire que tu ne peux pas t'abonner à ma page. Tu fais un commentaire et tu dis dans le commentaire que je ne peux pas, elle est ceci, elle est cela. Tu me dénigres et tu viens t'abonner. C'est là que j'ai vu que la sorcellerie habite vraiment en nous. Peuple noir. On peut insulter quelqu'un comme ça et puis après venir s'abonner. Je dis peuple noir. Je dis c'est pas grave. Ma soeur et Doxy Yao a été insultée ici. Chaque jour que Dieu fait, les gens insultent Doxy. Pour finir, ils l'ont aimé. Ma grande soeur Lolo Beauté, même quand on a fait la paix, comment les gens l'insultaient pas? Comment les gens ne la dénigraient pas? Aujourd'hui, les gens ont fini par l'aimer. DJ Arafat, tous les jours en train de l'insulter. Après sa mort, les gens l'ont aimé. Que Dieu nous donne longue vie. Que Dieu nous donne une bonne fin. Parce que tu ne peux pas insulter quelqu'un fort pour te faire remarquer. Jusqu'à lui-même, publicité, il m'a dit, Aya, j'ai posté ta page là-bas. Les gens sont en train de t'insulter. Tu les as fait quoi? J'ai dit, je vais aller voir. J'ai vu même une de mes abonnées là, qui était là-bas, qui répondait aux gens. Elle-même, je lui ai envoyé un message à une bonne jeune, arrête de répondre. J'ai dit, arrête de répondre, faut laisser. Mais je regarde les minutes qui suivent là. Les mêmes personnes, puis les mêmes, il fait capturer. Lui-même, il était découragé. Les mêmes personnes qui sont, il m'a abonné, pourquoi une fille vulgaire comme ça, une fille qui est venue par bateau, une fille qui est ceci, qui parle de Emma, une fille. J'ai pas compris ton commentaire, Carole. Qui est Lulu Yako, chérie? Leslie Lulu. Yako, c'est qui? Leslie Lulu. Guéris mes mains de guéir, Robert. Où les aisselles sont propres. J'ai soulevé mes mains de guérubin où les aisselles sont propres. Où les aisselles sont propres. J'ai soulevé ça comme ça. J'ai dit, on peut faire ça. On peut s'élever, insulter quelqu'un pour dire que. Leslie Lulu, j'aime ça, elle, je ne l'ai pas ratée. Ah, je comprends pas. Je suis là. Ça va, ma chérie? Tu as une nouvelle abonnée parce que je t'avais jamais vue. Bonne arrivée. J'ai soulevé mes mains de Guéry Robert. Il a dit que. J'ai pris ma natte de prière, mon chapelet. Après ma stage, José. Elle dit ses mains de la Vierge Marie. Elles sont chapelées. En train de trier les gens à terre pour bénir ses enfants et ses disciples.
Elle a soulevé ses mains de la Vierge Marie. Quand elle descend, c'est le chapelet. Dans sa blouse blanche. On peut faire ça. Vous pouvez aller sur des pages, dénigrer une personne. Et puis venir vous abonner. Moi, me dénigrer, ça ne me dit rien. Parce que moi, j'ai dit, j'ai fait ça auparavant. Avant, je dénigrais. Franchement, il ne faut pas y mentir. Voilà. Il ne faut pas y mentir. Avant, je dénigrais. Que ça soit bien, mais c'était du dénigrement quand même. Il ne faudrait pas que je mente. Mais maintenant, il a dit que je change. Il dit que Dieu a touché mon cœur. L'Éternel des armées. Il a touché mon cœur. Donc, maintenant, on fait les affaires sur nos stars. Mais dans le respect, la sagesse. Et pas de diffamation. Est-ce qu'on peut se lever? Aller faire un long test. Aïe, ton nez coupé. Oui, j'ai un morceau de nez, je sais. Moi, il n'est pas né. Moi, c'est un morceau de nez, j'ai. C'est vous qui dites que mon nez n'est pas coupé. Mon nez, c'est un morceau de nez. J'ai l'âge bouchonné, la lagune est brillée. C'est moi. Et puis, mais j'ai les gros yeux tirés. Là, laissez les nous juflume. Tellement il boit. Sirop pour me reposer. Mais on ne peut pas insulter quelqu'un comme ça. Vous ne partagez pas le direct, je n'aime pas. Hein. Tout à l'heure, on était à 500 personnes. Via même 600. Là, il y a monsieur reconnecté, on a 100 personnes. Pourquoi? Moulo, mais vous êtes parti dormir. Moi, j'allais commencer, continuer mes affaires sur Snap. Je dois faire la pause commentaire pour poster tous les commentaires. Donc, voilà. Je dis, au fin fond, je dis, mais les gens ne me détestent pas. Ils font semblant de se faire remarquer. Mais quand telle personne dit que, il y a celle même qui est venue par bateau, qui n'a pas de vie, une sans papier, une sans domicile, fils. Et puis les gens vont liker, mettre les j'aime. Une fille qui ne sait pas parler le français, mais vous comprenez, hein? La fille, elle ne parle pas français, mais vous comprenez. Bon, moi, je ne parle pas français, mais vous comprenez mon français, que ceux qui parlent le français, parce qu'eux, ils parlent bien, mais ils ne parlent pas fort. Moi, mon français, là, c'est deux pieds gauche. Mais quand il parle, ça rentre dans vos oreilles, quand ça pénètre vos tympans. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on va faire une petite pause publicitaire. On va faire une petite pause publicitaire d'été. En tout cas, je dis un grand merci à tous ceux-là qui ont partagé ma page. À toutes ces personnes-là qui ont partagé ma page, tous les mauvais et bons commentaires, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas pris en mal. Et je n'ai pas répondu à quelqu'un, je n'ai rien contre vous. Et puis, vous êtes libre. Hein. Après, vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Parce que moi, je suis libre de dire ce que je veux. Puis je dis tout ce que je veux aux gens. Vous êtes libre. Même si vous m'insultez, mais il y a un message que vous véhiculez derrière ça. Voilà. Ce n'est pas parce que vous avez trop envie de m'insulter ou vous me détestez. Parce que je ne suis pas sûre que vous détestez vos prochains. Voilà. Si vous détestez vraiment un être humain comme vous, c'est que ça devient de la sorcellerie. Ça devient de la sorcellerie. Ça veut dire que toi, tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même, tu es de la sorcellerie. Mais tous les commentaires que j'ai dû voir. Je suis ma grande sur le logoté, ou même je dis, j'ai publicité de London. J'ai pris ça du bon côté. J'ai retenu quelques conseils, même si vous ne m'avez pas donné de conseils, mais dans vos commentaires, il y a un conseil qui est véhiculé. Voilà. Sans que vous-même vous le sachiez. Donc, j'ai retenu juste le conseil que vous m'avez donné. J'ai retenu tout ce que vous avez dit. J'ai vu aussi mes stars aussi aller. Partager mes pages sur leur Snap. Apparemment, vous êtes aussi rentré dans leur inbox. Je sais pas, c'est dû à quoi tout ce que vous faites.
Mais bon, après, si ça vous fait plaisir, je peux dire quoi? Ça vous fait plaisir, je ne peux rien dire. Mais j'ai retenu quelque chose, c'est que je suis votre star. C'est que vous m'aimez pour de vrai, vous refusez de l'accepter, mais vous m'aimez. J'ai retenu aussi que depuis que j'ai quitté Facebook, ça fait quoi, une semaine? Les gens sont dans mon inbox, ça y est, tu nous manques, tu fais direct quand? Je dis, regardez celui-là. Des bandes de mazos comme ça. Vous êtes fan des Aya, mais vous êtes Jean-Jean. Désolée pour ceux qui se... J'ai commencé à faire des directs en journée, mais après, c'est la paresse. J'ai trop la paresse, j'ai trop la flemme. J'ai une grosse flemme, quoi. C'est pas du jeu. Alors, j'ai dit ici même qu'il ne faisait plus les directs taille. Mais il est 1h du matin sur ce direct. Oh, tellement vous m'avez stressé à faire les directs directs. Je vais couper. J'ai terminé là, les pubs et puis on va se prendre demain. Il y aura mieux, plein de personnes. Là, il y a peu de monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, je vois pas vos commentaires. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi est-ce que je vois pas vos commentaires? Donc voilà, j'ai compris tout de suite que je vois pas les cœurs, je vois pas les commentaires. Mettez les cœurs. Bien. Il y a quelqu'un qui a dit quoi? Donc la pause du thé. Du thé Wonderful. Pour avoir le thé Wonderful, il faut contacter le 00225-48-48-46 Abidjan. Le 00225-48-48 à Abidjan. Et pour ceux de la France, c'est le 06-05-94-03-62. Donc, le plus 336-05-94-03-62. Ça, je vais mettre ça au frigo. Je vous ai montré ça, mon premier direct. Excusez-moi. Vous avez la gaine. La gaine qui est toujours disponible. Je vais me fermer carrément. La gaine de chez Maman Matidola qui est toujours disponible. Donc, il faut contacter à Abidjan pour avoir la gaine au 00-225-03-03-33. Bon, pour ma voix, moi, c'est le 336-05-94-03-62. Le même numéro que l'été, en fait. Donc, le même numéro pour avoir l'été, c'est le même numéro pour avoir les gaines. Donc, je vais vous parler de ça, Beauty Shop. Voilà, vous savez déjà qu'est-ce que ça fait, ce produit-là. Voilà, pour ceux qui ont des problèmes de ventre, les personnes qui ont des problèmes de brodoument, en tout cas, ça traite les hommes et les femmes, voilà. Je vous ai plusieurs fois expliqué, je vais vous laisser le numéro. Pub. Je vais vous laisser le numéro parce que je ne vais pas trop durer. Qui est le 00336161853 48. 00336161853 48. Voilà. Donc, voilà un peu, hein, mes chéris. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous racontez? Je vous lis.
Excusez-moi. Mon bébé Raki, tu vas bien? Ouais, je te jure, hein, je suis venue les donner travail même. Allez, bonne nuit. C'est demain qui sera mieux pour nous. Demain sera mieux pour nous. Je vais terminer ma pub. Non, mais c'est pas là. J'essaie de vous lire, hein. Je sais pas pourquoi il n'y arrive pas. Mon bébé Raki, ça va mon cœur? On se prend sur Snap. Je vous laisse. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous souhaite de gros, gros bisous. Vos commentaires. J'ai surtout eu les premiers commentaires là. Non, vous, Ivoirien. Vous êtes adorable, vous êtes fantastique. Vous êtes fantastique. Donc, les Emalob là, allez me montrer. Allez montrer. C'est bientôt la nouvelle année. Votre grande gueule, votre grosse gueule, vous faites dans les groupes là. Vos modèles compliqués, difficiles de comprendre. Vous dites que vous êtes fan, non? Demain encore, quand il vient dans cette direct dans la journée là, c'est défi encore. Demain, là, il a fini, et c'est ce que le sultan de Dieu, j'ai même pu revenir sur lui. Mais vous, là, demain, je suis avec vous. Je suis avec vous. Sur une semaine, je suis avec vous. Mettez ça dans votre tête. Vous et moi sur Facebook, hein, je suis avec vous. Je ne voulais pas venir avec affaire de Emma là sur. Non, et puis je n'ai même pas parlé de ça ici. Moi, je parle sur Snap, je ne parle pas de ça ici. Voilà. Mais je dis, les Emma Love, là. Les Emalov, les soi-disant Emalov, les Emalov Mbrakata, les plaisantines de Emalov en faux profil. Ceux à cause de moi, ils ont aimé Emma forcé. Et puis vous ne pouvez pas la soutenir là. C'est ça. Je dis demain. Je dis que
J'ai dit, demain, jusqu'à une semaine, vous et moi, on est ensemble. C'est vrai que quand il lance mon direct, là, c'est pour vous. Ça ne sera pas dans un jus. Hein. Il a dit que défi est lancé, là. Vous allez relever ça. Il a dit, allez faire rien. Il veut voir. Parce que vous ne pouvez pas. Vous n'allez pas le faire. Vous êtes rabat. Vous êtes les gens, vous êtes jeune fille, vous attachez votre argent au bout de pagne. Oui. Vous êtes jeune fille, puis vous mettez l'un dans plein de sachets, puis vous mettez ça bas d'oreille pour dormir. Donc, vous dites quoi? Vous dites quoi? Il y a dit les malovres là, il veut vous voir là-bas. Toi qui as dit que moi, je ne suis pas à Abidjan, tu n'es pas à Abidjan, hein? Mais ton âme peut aller à Abidjan. Tu n'es pas Abidjan, mais tu es un parent Abidjan. Quelque est malade, mais si tu n'es pas ivoirienne, tu es Chokonachaka, si tu es dans un pays là. Forcément, tu attends quelqu'un qui est au fin fond. Moi-même là, je ne connais pas Zimbabwe, mais j'ai une connaissance qui habite en Zimbabwe, on dit quoi, au Zimbabwe ou bien au Zimbabwe, non. Il y a quelqu'un qui habite au fin fond d'un pays. Donc, quand tu as mis sur ton Facebook, je cherche quelqu'un qui est à Abidjan, à qui je vais inviter, ou bien même, si tu ne veux pas envoyer quelqu'un au spa, là, tu peux passer la commande de mèche, là. Et puis, ça va venir te trouver, tu prends ça dans ta boîte aux lettres, et puis, pour me frustrer, là, tu fais vidéo, ou bien tu fais snap, faut me taguer, mais il faut copier, puis tu m'envoies. Moi, j'ouvre toujours mon inbox sur snap. C'est sur Facebook, là, je n'ouvre pas. Instagram, même, faut pas compter sur moi pour aller te lire. Facebook, je n'ai pas le temps de lire, mais WhatsApp, j'ai un service client qui s'en occupe. Et quand la personne n'est pas disponible, mon service, il n'est pas disponible par moment. Quand je récupère mon téléphone, j'essaie de lire un peu mes clientes. Mais Snap, là, je suis toujours scotché sur mon Snap. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai plus de 2000 messages sur Snap. Mais je prends mon temps pour lire. Donc, même si elle n'est pas, tu m'envoies. Une fois que tu me vois poster quelque chose sur Snap seulement, tu m'envoies. Parce que je peux voir, je peux être en train de dormir, je me réveille, j'ai plein de messages, je ne pourrais pas prendre le temps. Mais une fois que tu me vois sur Snap, tu vois que j'ai posté quelque chose, tu me vois, là ton message vient en premier. Là, je clique, je vois. Allez, puis envoyez-moi. Moi-même, j'ai posté ça, fierté. Je ne sais pas, il m'a love. Il n'a même pas le droit de le faire. Mais je vous dis que j'ai posté. Vous n'avez rien. Vous n'êtes rien. Vous êtes que de gueulards et de gueulades. Vous avez compris. Vous êtes des vautoureuses, des mendiantes. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas injuste, c'est vérité, je vous dis. Vous êtes là en train de fantasmer sur les gars des gens. Vous êtes des chercheuses de mari dans les groupes. Quand on dit qu'on aime sa star, là, quand on voit même dans mon Facebook, il n'y a même pas une photo. Tu l'aimes comment? Et puis, elle n'est pas sur ton Facebook. Quand il verrouille mon téléphone comme ça, quand j'ai fait comme ça, c'est Arafat. Quand je verrouille, c'est José. José en fond d'écran. Quand je verrouille, c'est DJ Arafat. Quand je regarde, c'est José dedans. C'est pas parce qu'il ne peut pas me mettre moi-même. Même sur mon téléphone, ça, là, c'est pareil. Verrouiller José en fond d'écran, c'est DJ Arafat. Ça, c'est ça qu'on appelle les vrais fans. Didier est calé en haut de mon salon ici. Il y a vous montrer un peu des plaisantines comme ça. Est-ce que vous voyez un peu? D'accord. Il est calé là-là. Au calme. Il ne bouge pas. Vous avez compris? Votre gueule. C'est moi qui ai dit ça. C'est pas injuste, c'est la vérité, vous dit. Vous avez compris? C'est pas injuste. Tu vas où il y a ma télévision là? Les Mercedes sont alignés là-bas. C'est José, maintenant elle fait portrait. Je ne suis pas pressée. Mais elle est dans mon cœur. Eux quand même là. Elle est tatouée les trois sur moi. Les two boys, c'est mes petits frères. C'est mes petits frères. Mais mes trois stars. Mes quatre, même via quatre. Mais ma star là, je l'ai laissée à mon grand frère Yaka. Ivy. Il a dit, Ivy,
Prends Yves, c'est ta star. C'est vrai que c'est ma star, je l'aime. Mais je dis que je ne veux pas abuser. Lui, il a Beno, il a Ivy, mais j'aime Ivy. Moi, Arafat n'est plus. J'ai deux. Lui aussi, il a deux. Et puis, on roule avec. Est-ce que vous avez compris? Donc là, taisez-vous. Taisez-vous. Tant que vous n'avez pas fait ça là, vous allez parler, bavarder sur le groupe. Qui va vous calculer? Qui va vous calculer? Il y a une jeune soeur là même qui est venue me voir, qui a dit qu'elle allait me mettre au fauteuil blanc. Non, je pense que normalement c'est aujourd'hui, on devait faire bien hier. Mais je ne fais plus. Tant que le jour où vous allez relever le défi dont je vous parle, parce que moi là, il n'y en a pas peur de vous. Donc il peut prendre mon temps à répondre à tout le monde. Et puis si c'est parlé mal là, vous connaissez que ça ne peut pas chauffer. Mais quand vous allez faire ce que je vous ai dit là, le défi, c'est pas que je vous donne ordre, mais montrez-moi, allez mettre la honte sur moi, pardonnez, courez, enlève vos chaussures pour courir, allez mettre la honte sur moi. Quand vous allez finir ça là, quand vous allez finir de mettre la honte sur moi là, voilà, là si vous voulez là, mettez-moi même sur fauteuil royal, écartez mes jambes, écartez-moi, puis insultez-moi, rentrez dans mes intestins, sortez tout ce qui est là-bas, faites opération virtuelle. Dans tout, détailler tout ce que j'ai dans mon ventre. A, B, C, D. Il ne va plus vous dire, vous respecter, il y a des chapeaux. Mais votre star là, si elle a vrai ciel, il l'a critiqué. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant là, ce n'est pas de courir, allez vous faire voir dans les groupes. Je dis et je répète, si vous êtes femme ou bien vous êtes garçon, vous l'aimez vraiment là. Courez pour aller dans son activité, y voir. Pourquoi? Sinon, là, si ce n'est pas ça, là, je rajoute votre baisse de gueule. C'est hymne national d'injure en Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas prendre ça mal. Il a changé mon petit côté, là. Ça peut se réveiller à n'importe quel moment. Vous prenez pour qui? Vous assez, vous critiquez les stars des gens, vous regardez. Combien de fois vous avez exposé José dans les groupes? Mes amis, faites pas sur vous. Combien de fois, deux jours là même, là, vous exposez EK? Jusqu'à un vendeur de chicha va l'insulter. J'ai vu vos commentaires. Hein? Sur les postes, voyez comment vous l'insultez. Vous prenez, vous déposez un cas dans le groupe. Vous la découpez, vous la déchargez. Il y a déjà fait poste dans le groupe sur vous. Et moi, il y a ma façon de les défendre. Voilà. Il y a ma façon de les défendre. Vous êtes des grands affairés, des grands jailleries. Vous vivez pour affairage. Tant qu'on n'a pas encore fini la mère. Hein? Tant que c'est là, quand il aura un autre buzz, on va laisser. Le jour où elle revient encore dans le buzz là, il est découvert. C'est chouïa. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas. Vous êtes partout aux États-Unis, vous êtes partout. Vous êtes premier en train de vous affairer sur la vie des stars. Je vois certaines personnes mettre sur mon snap et quand ils critiquent une autre star, il faut les voir. Hein? Et puis quand ça, il s'agit de leur star. Aïe, quand je remonte en haut, puis ils les ramassent, puis ils discutent même pas, ils vous bloquent. Critiquons nos stars dans le respect. J'ai changé, sinon c'est ça que c'était avant. De toute façon, il allait décortiquer, vêtis, j'allais vous prendre. Mais il a changé. Ce que je donne comme conseil, c'est vrai que moi-même, peut-être vous allez dire que non. Mais moi, là, quand il m'a souhaité, puis donne conseil, il dit ma vie, là, c'est un film. Et vous allez dire ça, non. Si elle fait un roman, on peut tout, c'est que toute une série. Si elle ferme, il y a aussi qui va rester. Parce qu'il vient de loin. Donc, il essaie de donner conseil à tous ceux qui m'entourent. Vous avez fait dans ça là. Vous avez tué Didier. Vous n'allez pas mettre Emma dans la bêtise. Que je suis humaine. Elle fait ses prestations là. Vous ne partez pas. Elle vend, à cause de vous, elle vend tout. Bientôt, Marc de Calaisson et ma love. Vous ne pouvez pas aller payer. Hein? Allez l'aider. Quand vous allez l'aider là. Ça va faire qu'elle va rester dans les maisons là. Ça va faire qu'elle va pouvoir construire le château qu'elle mérite. Parce que quand je vois Djaba, Sora, quand je vois. Attends, demain, essayez-vous. Je vous laisse. Et mais continuez mon tout. Demain là, Facebook va se casser. Vous là, venez m'insulter. Il ne va même pas vous insulter. Il va vous dire la vérité que vos youkouli refusent d'entendre là. C'est de ça qu'il y a. Il ne va pas vous insulter. Vous pouvez m'insulter. Vous pouvez me traiter de tous les noms. Il ne va même pas. Je ne veux rien vous reprocher sur ça. Mais vérité là, il va vous dire ça. Bonne nuit et puis à demain. Ciao.
J'ai pas coupé. Bonne nuit.